Ce sont les premiers échantillons puisés à 104 mètres de profondeur. Un véritable trésor pour ces géologues. Elles vont les analyser sous toutes les coutures pour déterminer leur potentiel géothermique. Ici, on essaye de voir quelle est la quantité d'eau qui est présente dans le sol. On pourrait le voir notamment ici dans les carottes qu'on vient de sortir par rapport aux zones de fracture. Donc quand on voit par exemple une minéralisation importante au sein d'une carotte, on peut déduire qu'il y a une importante quantité d'eau qui circule dans les terrains. Cette machine va extraire de la roche jusqu'à 150 mètres. L'espoir est d'y trouver l'eau nécessaire pour chauffer l'hiver et refroidir en été les 5 immeubles du logement molenbeekois promis à la rénovation. À cette profondeur, la température est de 13 degrés environ. Il n'en faut pas plus pour rendre le système viable. C'est l'eau qui est le vecteur de chaleur. On va venir pomper via un forage en profondeur qui va venir échanger la chaleur en surface. Il sera valorisé via une pompe à chaleur. Puis on réinjecte cette eau dans le même réservoir afin que ça soit pérenne et durable et que l'énergie soit renouvelable. Ensuite, on a les systèmes fermés qui, eux, sont différents, vont travailler plus sur la transmission de la chaleur de la roche. Donc ce sont des sondes qu'on installe dans le sous-sol, dans des forages plus petits, des sondes à travers lesquelles un liquide caloporteur va circuler et va venir récupérer la chaleur du sous-sol. Et dans le cas des systèmes fermés, on s'affranchit de la présence d'eau dans le sous-sol. Les analyses doivent déterminer l'option la plus efficace et le dimensionnement de l'installation. Une technologie qui tend à s'imposer de plus en plus dans les grands projets immobiliers. Son installation coûte plus cher, mais l'explosion des prix de l'énergie la rend vite rentable. Le sous-sol peut toutefois réserver de mauvaises surprises. Sa composition ne permet pas toujours une exploitation de ce type. À Molenbeek, il faudra quelques mois avant qu'il ne livre tous ses secrets.